Dans cette partie, nous allons voir comment l'on représente des assemblages à l'aide d'éléments filetés. Il existe une multitude de types de vis et d'écrous dont l'objectif est de réaliser des assemblages démontables, contrairement au collage, au rivetage, au soudage, qui sont des techniques qui permettent de réaliser des assemblages qui sont indémontables. Tout d'abord, il faut savoir que l'on appelle boulon l'ensemble vis plus écrou. Cet ensemble est généralement accompagné d'une rondelle qui sert à éviter le desserrage de l'assemblage réalisé. Vous avez ici les deux types de représentation d'une vis, en vue de face et en vue de dessous. Vous avez tout d'abord la représentation réelle à gauche et la représentation normalisé à droite. C'est la représentation normalisée que l'on trouve dans les dessins d'ensemble. Alors ici, vous avez le diamètre nominal, qui est en fait le diamètre extérieur de la tige filetée. Et en très fin, vous avez un trois quarts de cercle qui représente le fond du filet. Ça, c'est sur la vue de dessous. Sur la vue de face, pareil, hein, le diamètre nominal, c'est le diamètre extérieur. Le fond du filet est représenté par un très fin. On voit ici. Et vous avez en bout de la vis un chanfrein. Voici maintenant la représentation des trous taraudés destinés à accueillir les vis. Donc en haut, nous avons un trou taraudé borgne et en bas, un trou taraudé débouchant. En général, sur les dessins d'ensemble, ils sont représentés en vue de coupe, de manière à ce que ça soit plus explicite et qu'on puisse les coter plus facilement. Alors, si on fait un zoom en vue de face, la représentation du trou taraudé, nous avons un trait fort qui représente le perçage et un trois quarts de cercle en trait fin qui représente le taraudage. Sur la vue de coupe. Alors sur le trou taraudé débouchant. Donc on a en trait fort le perçage et en trait fin le taraudage. Vous remarquerez que la représentation en vue de coupe, sur la représentation en vue de coupe, on les hachures s'arrête au trait fort. Toujours, elle traverse le trait fin. Ici, sur le trou borgne, on a donc un perçage qui est dessiné en trait fort, avec la pointe du foret qui est représentée, et la longueur du taraudage. Fin du taraudage en trait fort, et l'épaisseur du taraudage en trait fin. Voici maintenant la représentation d'un assemblage de deux éléments filetés. Il s'agit de maintenir deux pièces l'une à l'autre à l'aide d'une vis. Nous avons une pièce à maintenir et une pièce permettant le maintien. Donc la pièce permettant le maintien, pardon, est taraudée. La pièce à maintenir, on a un perçage lisse et un lamage lisse. Donc ici, les deux pièces sont jointes sans la vis, sont représentées sans la vis. Et à droite, elles sont représentées avec la vis. Donc vous avez ici la pièce qui est taraudée avec la longueur du taraudage. La vis en elle-même est plus courte que la longueur du taraudage pour éviter d'avoir une vis qui arrive en butée et qui ne remplisse pas son office qui est de faire le serrage. Donc vous voyez la vis, le fond de la vis s'arrête ici, et le fond du taraudage sur la pièce de maintien s'arrête là. Vous marquerez le trait d'axe. Chaque fois que l'on a une surface de révolution, on a toujours un trait d'axe, que ce soit sur la vis ou sur un alésage, un perçage. On voit ici là sur l'assemblage qu'on a un petit écart, un petit espace pour pouvoir faire passer la vis. Donc là, ça, ces deux traits correspondent au trait lisse, au perçage lisse ici. Et au niveau des hachures, on voit qu'il y a une orientation différente
pour faire bien la différence entre la pièce à maintenir et la pièce permettant le maintien. Pour finir au niveau de la vis, on voit que la vis n'est pas filetée entièrement et qu'il s'agit d'une vis CHC, c'est-à-dire cylindrique hexagonale creuse. On voit ici en très caché, donc en très caché, la forme du cippe en creux. Le pas. Alors, le pas, c'est la distance qui sépare deux sommets consécutifs d'une hélice. Donc ici et là. Les normes ont prévu, avec chaque diamètre dominal, un pas usuel, que l'on appelle aussi un pas gros, pour tout ce qui est boulonnerie du commerce. Et il existe aussi un pas plus fin, pour des emplois exceptionnels, c'est-à-dire des filetages de tubes minces, des écrous de faible hauteur, des vis d'appareils de mesure, etc. À diamètre nominal, plus un pas est fin, plus la tolérance sont réduites, et donc plus il coûte cher et à réaliser. Nous allons voir maintenant quelques représentations d'éléments filetés ainsi que leur désignation. Alors nous avons commencé par une vis CHC. Ici, nous avons la désignation. C'est cette désignation que vous allez trouver dans la nomenclature. Je vous rappelle, la nomenclature, c'est un tableau qui accompagne un dessin d'ensemble. Sur le dessin d'ensemble, chaque pièce est repérée. Et sur la nomenclature, vous avez tous les repères et la désignation. Ça sera la désignation de cette vis-là. Alors voilà comment elle se compose. Nous avons donc le vis. CHC, ça correspond à la forme. Ici, CHC, c'est une tête cylindrique à cippe en creux, hexagonale creuse. Ensuite, nous avons M16 qui correspond au filetage métrique ISO. Ici, c'est 16 mm. Donc, c'est le diamètre en fait, hein. Donc, pour tout ce qui est filetage taraudage, le diamètre est toujours précédé d'un M, un M majuscule, qui correspond à métrique. Que ce soit pour les vis, enfin, tous les éléments filetés et les taraudages. Ensuite, nous avons la longueur. Donc, la longueur sous tête. Donc, ici, c'est 50 mm. Je vous rappelle, technique, hein, toutes les longueurs en dessin industriel, toutes les longueurs sont en millimètres. Et enfin, 8, qui est la classe de qualité. Un écrou le plus standard qui est utilisé, le plus couramment utilisé, c'est l'écrou H. H comme hexagonal, donc hexagonal, il a donc 6 côtés. M16, M16 c'est le filetage métrique ISO, diamètre 16, donc diamètre extérieur, hein, fond du filet, hein, et classe de qualité 8. Ensuite le goujon, donc ici nous avons un goujon M16-100 BM50 classe de qualité 8.8. Donc ici on a un diamètre de 16, filetage métrique ISO 16, une longueur de 100 mm. BM c'est la petite longueur qui est de 50 et une classe de qualité 8.8. Pour finir, on va voir ce que c'est que la classe de qualité. La classe de qualité c'est un chiffre que vous trouvez sur la tête de la vis. Sur le dessus de la vis, vous avez un chiffre, en général c'est 8.8, c'est le plus courant, et ça indique les caractéristiques mécaniques de la vis suivant son diamètre. Donc cette classe est liée à un tableau, donc il faut se procurer le tableau, hein, vous l'avez facilement sur internet, hein, vous tapez classe de qualité vis et vous aurez aucun problème à trouver ces tableaux qui vont vous donner les différentes caractéristiques, limites élastiques, charge de rupture, etc. de la vis en question.